Non, pas vraiment. Ma mère va vraiment avoir du mal à me garder à Asgard après ça. C'est par où? Le masque nous disait d'aller tout droit. Mais bien sûr, la voie est bloquée. Peut-être qu'ils veulent pas qu'on entre. Ou qu'autre chose ne sorte. Je suis sûre qu'il y a un autre accès. C'est toujours le cas. Jolie. Comment tu as su que tu voulais être une Valkyrie? Un peu par hasard. Après une dispute avec ma mère, j'ai filé en douce et vu leur entraînement. Chacun de leurs mouvements était net et précis, comme si elles savaient exactement ce qu'elles devaient faire. Et à ce moment-là, je l'ai su aussi. On dirait que c'est par là. L'entraînement m'a donné... C'est trop lourd? Tais-toi, quelque chose la bloque. Je vais regarder, mais je veux entendre la suite. D'accord. Trop lourd. T'as vu mes bras? Voyons.
Pas encore. Pas mal. Je sais. Comme je le disais, voir les Valkyries se battre avec force et avec grâce, sans faux semblant, ça m'a ouvert les yeux. Pour la première fois, je savais où j'allais. Je n'avais aucun doute. Dommage que les géants suivent tes prophéties. Peu importe. Trace ta propre voie, comme on l'a fait ici. Voyons voir. Écarte-toi, petit homme. Elle est coincée aussi. Mais je sens qu'elle cède. Il faut seulement que j'insiste encore un peu. Je le sens. Elle bouge, j'en suis sûre. Il faut seulement que j'insiste encore un peu. Loki. Il faut seulement que j'insiste encore un peu. Je le sens. Elle bouge, j'en suis sûre. Skirlfa. Oui, je vois ça. Oui. Et maintenant ? Apparemment, c'est par ici. Mais c'est bloqué. Et si je bouge ça ? Ah ! Est-ce que tu peux monter ? Trouve un moyen de faire tomber la caisse de l'autre côté. Je t'attends ici. Je ne peux pas monter comme tu le fais. J'y vais. Ingrid, est-ce que j'ai été trop dur à propos de son grand-père ? Il faut qu'elle sache la vérité, non ? Oui, tu as raison. Hé, tu me parlais ? Non ! Je parlais à Ingrid. Ah, d'accord. Je t'attends.
Voyons, où je peux avoir un meilleur point de vue sur cette caisse? Tiens-toi! T'as réussi! Je devrais la rejoindre. La voie est libre. Allez! Oh! Le masque s'agite. On doit être proche. C'était sûrement rien. Ça n'en avait pas l'air. Ouais, il faut qu'on sorte d'ici. Et le masque ? On est tout proche. En plus, je crois pas qu'il soit dangereux. Est-ce qu'on voit bien la même chose? S'il est enfermé, c'est sûrement pas pour rien. Je peux sentir ce qu'il ressent. C'est un truc de géant. Et tout ce qu'il veut, c'est sortir. Le morceau doit être derrière lui. Fais-moi confiance. D'accord. Commençons par l'entrave qui n'est pas près de ses dents. Il y en avait une troisième sous sa patte. Attention ! Et si on regardait dans la salle qu'il gardait ? Dans l'eau quelque part. C'est... Tiens, il n'y a plus aucune réaction. C'est bien la première fois. Je t'ai fait confiance. Et on a libéré cette chose. Grand-père va me tuer. Il faut qu'on...
s'enfuit d'ici, dépêche! Trude, attends! On l'a peut-être raté, il est quelque part Trude, là-bas! Trude, c'est... ça va aller! Comment tu peux dire ça? J'aurais jamais dû t'écouter! Trude, si j'ai fait une erreur, je la réparerai. Je trouverai le morceau. Un imbécile fini. Tu sais que cette chose fait des trous entre les royaumes, pas vrai? Enfin, je suppose qu'on pouvait s'y attendre, venant de deux bâtards. Ne me traite pas de... Je t'appellerai comme je le voudrais, Minus. Laisse-le tranquille. C'était une erreur. Non! L'erreur était de te laisser croire que tu étais prête. Tu l'as aidée, n'est-ce pas? De quel côté es-tu, au juste, sauterelle? Viens là, je vais te montrer. Oh. Et qu'est-ce que tu... comptes faire exactement? Oh. Vois-tu, les gens se retiennent avec toi parce qu'ils ont peur de ton père. Mais pas moi. Cette espèce de grosse barrique d'hydromel sur pattes. On recommence. Bien, bien. Imbécile de père en fille, semble-t-il. Alors soit. Voyons ce que tu vaux. Tu as encore bien des choses à apprendre, petite fille. À commencer par reconnaître les tiens et ceux qui ne te sont rien. Attends que je devienne une Valkyrie. Oh. Oh. Alors, tu crois vraiment que le père de tout permettra que ça arrive? Allons, tu ne devrais pas laisser cette petite fouine te bercer d'illusions à longueur de temps. Arrête! C'était pas loin. Trude! Il fait ça pour t'énerver. Ah ouais? Eh bien, c'est réussi. Vous autres, les gosses, vous êtes... barbants. Si tu en as terminé avec ta petite crise, nous devons partir. Parce que je brûle d'impatience de vous voir expliquer votre bourde au père de tout. Oh, ça va être fantastique. Hugin! Il n'est pas là. Allons voir dans son bureau. Oh, oh, je n'aimerais pas être à votre place. Père, lui, me soutiendra. Après que le père de tout l'a renvoyé en boudant la queue entre les jambes? J'en doute. Quant à toi, Loki le Jotnar, ton incompétence me sidère. À tel point que je n'endors plus la nuit. Si tu le dis. Je suis sincère. Tu possèdes une telle palette de défauts que c'en serait presque... attendrissant. Si ton inutilité était comestible, nul ne connaîtrait plus jamais la fin. Très bien, tout est de ma faute. Laisse-la en dehors de ça. Je n'ai pas besoin de ton aide, Loki. Désolé. Garde ça pour le père de tout. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Loki, je te retrouverai dans ta chambre quand j'aurai fini. Ce ne sera pas long. Très bien. Ma mission s'est déroulée sans accroc, père de tout. L'objet dont nous avions discuté est à l'abri. Je sais que tu écoutes, Loki. Ça ne prendra qu'un instant.
Laisse-nous. Va, il a dit. Es-tu à ce point stupide ? Je ne plaisante pas, mon grand. Va, je te rejoins bientôt. Merci beaucoup. Trude, Je ne veux rien entendre. Tout allait bien avant que tu débarques. Je vais me rattraper, c'est promis. J'ai vraiment tout raté. C'est dans ces moments-là que la maison me manque. T'avais une maison, Ingrid, avant d'être ici. Quelqu'un qui s'occupait de toi. Je prends ça pour un oui. Je peux peut-être t'aider à rentrer chez toi, sans tout faire rater, si possible. Ça te plairait ? Je peux entrer. J'ai entendu la version de Heimdall. J'aimerais entendre la tienne. Raconte-moi. Ce n'était pas là. Je me suis trompé. Tu sais, tout le monde peut faire des erreurs. Mais relâcher Garm, c'est extrêmement grave. Le chaos se répand déjà au sein des autres royaumes. Ici, on ne craint rien, à Asgard. Mais partout ailleurs... Je crois que je veux rentrer chez moi. Très bien, si c'est ce que tu souhaites. Je t'ai dit que tu n'étais pas un prisonnier ici. Tu as le choix. Va, fais le vide. Je sais que tu reviendras. Mais si tu t'en vas, tu dois me rendre le masque. Comprends-moi bien, j'ai une entière confiance en toi. Mais pas en ton entourage. Oh, et Ingrid. Ingrid, je dois partir. Loki, quand tu seras prêt à revenir ici pour suivre ton travail, Hugin t'attendra dans ton ancienne maison. Tu t'es trompé. Ça ne change rien au fait que tu es le bienvenu ici. Oh ! Et tu salueras Mimir pour moi ? Je suis sûr... Soulagé de revenir ici. Si tu restes ici, tu risques d'attendre longtemps. Bien sûr. Ulfa-Uta ! Il faut que j'utilise l'accès mystique au plus vite.
Odin a raison. Libérer Garm. Quelle terrible erreur. Bien. Je peux pas m'enfuir. Cette fois, je vais devoir lui faire face. Très bien. Je serai bientôt rentré. Ça va aller. Tout va bien se passer. Terminé? Pas grâce à toi. Où est Atreus? Atreus? Le fugitif est-il rentré apportant tout cela avec lui? Ah, ne bouge pas. Je vais bien, je te dis. Tu saignes? Oh, arrête un peu de geindre.
Comment dois-je t'appeler ? C'est de ma faute. Les Éléens, ils sont partout. Partout. Ce n'est pas ta faute. Bien sûr que si. Il y avait un loup à elle. Il était enchaîné et je l'ai libéré. Et je pensais que si je... Garm ? Par les bourses d'Odin, tu as libéré Garm ? Garm ? Qui a libéré Garm ? C'est de la folie. Tu n'as pas fait ça, jeune homme. Si le molosse de Hel est libre, il va dévorer la trame même des royaumes. Les Éléens ne sont que le début. À quoi pensais-tu ? C'est vrai. As-tu idée du bourbier dans lequel tu viens de nous plonger ? Pourquoi as-tu commis pareille bêtise ? Est-ce l'œuvre de Loki ? Assez. Laissez-le. Atreus a commis une erreur. Une erreur que nous corrigerons ensemble. Génial. Si ça ne vous dérange pas, je vais rester ici. J'ai eu ma dose de voyage à Helheim. Il y a un problème. Je ne sais pas si je peux retourner à Helheim. L'écureuil saura peut-être. On va vous parler immédiatement. Immédiatement, j'ai dit. Il s'agit d'une urgence absolue.